Donc, il y a plusieurs stands du Forum ici. Donc, le Forum, vous connaissez sans doute, il y a la partie Forum Formation, donc comme son nom l'indique, qui propose des formations qualifiantes donc pour accéder à un emploi. Et puis, il y a Forum Conseil, où, enfin, là, c'était ce que j'ai fait avec mes collègues ce matin, où on a vérifié les CV, les lettres de motivation, puisque ce sont les premiers outils qui vous permettent de décrocher l'entretien d'embauche, qui doit évidemment vous donner l'accès à l'emploi. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons reçu beaucoup de monde ce matin, avec des personnes quand même très enthousiastes aussi, malgré la crise. Donc nous, on s'est occupé ici des CV. Mes collègues faisaient passer des tests en langue, puisque peut-être que ça, vos auditeurs ne le savent pas, mais il y a moyen de mesurer le niveau que vous avez, que ce soit en néerlandais, en anglais ou en allemand. Donc ici, bien sûr, nous sommes sur le salon, mais il y a possibilité de faire ça à Forum Formation. Il y a aussi le service mobilité, puisque de plus en plus dans l'actualité, il est question de pouvoir travailler éventuellement en Flandre, puisqu'on sait qu'il y a plus d'emplois disponibles chez nos collègues flamands que chez nous. Donc il y a tout un service qui prévoit de pouvoir passer en Flandre, même si on ne connaît pas très bien le néerlandais, en sachant que la Flandre, ça commence déjà à Halle, et ça ne veut pas dire nécessairement d'aller travailler en Anvers. Donc ça fait partie de ce qui est demandé aux demandeurs d'emploi, la disponibilité et la mobilité. Alors, il y a le site du Forum, www.leforum.be.